Coucou, ben, re-coucou plutôt. Oui, j'ai mis ma veste, il fait froid, il pleut, il fait froid. C'est mon ramoneur qui vient demain. La cheminée, je vais l'allumer sûrement très, 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 très tôt cette année, si ça continue comme ça. Mais bon, là, j'ouvre mon petit colis Shein, là, que je vous ai dit que j'avais reçu. Donc, je sors. Voilà. Non, mais c'était pas ça. Ah si, c'est ceux-là que j'ai commandé. C'est pas ceux que Coco elle a montré. Je crois pas que ce soit ceux-là qu'elle a montré. Moi j'en ai pris d'autres, c'est pas les mêmes. Enfin bon, c'est grâce à elle que. Enfin grâce à elle. À cause d'elle, faut bien trouver quelqu'un. Hein, que j'ai commandé. 180 crayons boîte Fenner. Alors. Si je vais pas remettre ça, mais si ça vous dérange de voir mes achats, vous passez. Voilà. Vous êtes une minorité à me dire ça. Hein. Pas la majorité, il y a Zem. Donc, alors, on va l'ouvrir. J'ai deux choses autrement, mais ça, c'est Coco aussi. Elle les avait prises. Je vais vous les montrer après. Hop. Je vais vous monter. Pour l'instant, hop. Après, il va falloir que je fasse du rangement dans mes crayons et tout, parce que... Alors... Bon, de toute façon, ça, je vais pas le garder, hein, ça, c'est sûr. Oh, mais il fallait pas le couper, Manique. Ben, si, je le coupe quand même. Voilà. Hop. Et voilà, ça se présente... Alors, c'est pour ça, ça se présente dans une trousse comme ça. Mais moi, ça ne m'arrange pas quand c'est comme ça. Donc, vous avez... Alors, il y en a que j'ai déjà, c'est sûr. Mais vous avez cette... Je vous montre comme ça, grosso modo. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre tous mes crayons. Je vais les trier ou alors je vais déjà mettre ceux-là dans la trousse. Non, je vais peut-être faire comme ça. Et après, je rajouterai au fur et à mesure. Voilà, ils sont beaux, hein. Bon, attendez, il y a quelqu'un qui vient. Bon, je reprends et je m'excuse, hein, mais j'ai vu un camion arriver. Je savais que j'attendais quelque chose. Donc, on va reprendre. Voilà, donc hop là, et je continue mes bêtises, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez alors là, vous avez toutes sortes de marrons. Alors, j'ai sûrement les mêmes dans ceux que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Alors, attendez, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Je vais pas faire d'essai avec vous. Hein. Voilà, vous avez toutes sortes, c'est pour ça la grande trousse va bien me servir. Et toutes sortes de marrons. Alors, attendez. Bon, j'ai pour faire le nuancier là. J'ai la feuille pour faire le nuancier. Donc voilà. Du plus clair. C'est cela. Ensuite, toujours dans les couleurs un peu foncées, il y a du bleu ciel, du. Enfin, vous voyez, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que les couleurs, je ne les connais pas vraiment. Moi, je ne connais pas leur nom. Je ne sais pas s'il y a vraiment des couleurs de marquées dessus. Non, il n'y a que les numéros, sinon c'est Broadfener, Water, Color, Pencil. Voilà. Ça va me compléter ma collection de Broadfener. J'en ai des Broadfener, mais... Alors là, vous en avez d'autres. Alors, s'il y a des mauves, il y a des couleurs dans les tons verts et tout. Ce qu'il y a, je vais les mettre dans ma trousse, dans l'ordre qui sont là. Et après, je verrai quand... là, pour l'instant, je voudrais finir mes calendriers de l'Avent. Et puis faire un coloriage aussi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de coloriage et là ça commence à me manquer. Là vous avez ceux-là. Et vous pouvez pas les laisser dans un truc comme ça, il faut les mettre dans une trousse. Donc je vais m'amuser à les ranger. Vous avez ceux-là. Vous avez ceux-là.
c'est de la faute à Coco, hein. Faut bien que je trouve un responsable. Voilà, je suis super contente de les avoir. Donc, et je vous dis, quand vous commencez à acheter des crayons, vous en voulez toujours plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Oh, ça doit faire 6 fois 30. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Voilà. 180. Donc, j'ai pour faire le nuancier. Mais je verrai. Ensuite, alors, elle s'était commandée ces feutres acryliques là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais faire un tour aussi et je les ai pris parce que des fois, je cherche pour faire des fonds à mes coloriages. Et il faut dire qu'avec les crayons de couleur, les fonds, c'est pas l'idéal. Hein? Donc, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des feutres acryliques. Acrylique par cœur. Alors. Bon, je vais les sortir. Vous les avez vus dans sa vidéo, si vous la suivez. Vous avez toutes ces couleurs-là. Alors, ils se présentent. Bon, c'est pareil, ça. Je vais les mettre dans une trousse. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc, je vais pas. Enfin, c'est pas que je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais là, pour l'instant, je vais finir ce que j'ai commencé. Donc, c'est des super belles couleurs. Je vais vous les montrer comme ça. Là, il y en a un qui est beau, là. Ah ouais, ils sont beaux. Voilà. J'ai pas de papier. Ah si, j'en ai un petit papier là. Attendez, vous êtes dessus. Hop. Ah ouais. Si c'est. Ouais. Ouais. Je ne vais pas les essayer. Coco les a fait. Hein. Elle vous les a montrés. Donc super. Ceux-là sont super beaux. Enfin les autres aussi, hein, vous direz. Voilà. Donc, je vais me régaler avec ça. Je vais ranger. Comme j'ai une trousse de vide. Là, j'en ai 24. Et dans l'autre 24, ça fait 48. Oui, je pourrais les ranger. Mais ça, je vais faire tout ça. Là, je ne vais pas le faire avec vous en vidéo. Hein. Voilà, ça je vais le jeter. J'ai pris aussi les mêmes qu'elle, cette couleur-là, là, les pastels. Vous voyez, ils sont super beaux aussi ceux-là. En ce moment, elle n'a pas trop le temps de dessiner non plus. Hein. Moi, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je voudrais finir. Je voudrais finir tous mes calendriers. Puis après. C'est pas ce côté-là, forcément. Ah ouais, ils sont pastels, ils sont super beaux. Oui. Super joli. Donc je vais me régaler, je vais les essayer, je vais voir. Je vais essayer de faire un dessin, j'ai essayé de faire un coloriage avec les macarons là, et pas faire au crayon mais faire au feutre comme ça. Je vais essayer d'en faire un quand même, un coloriage avec ça. Je suis pas trop fan parce que ça traverse. Peut-être ceux-là ne vont pas traverser, mais je vais essayer de faire quelque chose avec ces deux boîtes-là.
avec ces deux boîtes là. J'ai essayé de faire un coloriage avec. Si je vois que ça va pas, ben je reprendrai les crayons de couleur. Et je me suis pris aussi ce petit feutre blanc là. J'en ai déjà des feutres blancs, mais comme il fallait que je complète pour un certain prix, j'ai dit allez hop, je prends ça. Les prix, ne me les demandez pas, hein. Vous allez sur le site de Shein, vous allez les trouver. C'est un papier autour. Ils sont bien emballés. Hein. Ouais. Si je rentrais la lame, j'ai pas besoin de tout ça. Hop. Oh, il s'ouvre par où? Il s'ouvre par là, sûrement. Je ne sais pas. Oui. Oh, oui, c'est la pointe fine, fine. Bon, je ne sais pas s'il faut. Oui, mais sur du blanc, blanc sur blanc, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas. Extra fine pointe 0,7 mm. 0,7 mm. Ouais, c'est pas 0,7 mm, c'est 0,7 mm. Alors, vous voyez, le... c'est vraiment tout petit. Bon, je l'essayerai, je verrai. Là, pour l'instant, je ne vais pas trop forcer parce que je vois qu'il y a un petit bout au bout. Or, je ne sais pas si... Je ne vois pas trop, ça n'a pas l'air d'écrire des masses. Peut-être qu'il faut que je l'amorce. Non. Je vais voir. Je vais. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'elle avait pris, Coco. Je ne sais pas. En tout cas, c'était surtout les crayons que je voulais. Et mais ce n'était pas cette marque-là qu'elle avait pris, elle. C'était une autre marque. Il y avait un genre de, pas de canard ou de je sais pas quoi là. C'était pas. J'ai cru que c'était cela, mais c'est pas cela. Bon, de toute façon, avec ça déjà, j'ai déjà pas mal. Hein. Après, on va me reprocher que j'achète de trop. Non mais. Et puis ça, je les voulais. Là. Quand je les ai vus sur sa vidéo, j'ai dit ah cela il me les faut. Parce que ça fait couleur peau aussi. Alors, couleur peau pour, comment, pour mes dessins, pour mes coloriages, ouais. Voilà, bah écoutez, je vous aurais montré ce que j'ai reçu de Shein. Il faudrait que j'ai tout ce qu'il faut pour finir tous mes calendriers, j'ai tous les produits à mettre dedans. J'en ai déjà fait, mais j'ai pas fini. Ça me fait trois fois. J'en ai un qui est terminé complètement, mais sinon là j'ai 3 fois 4, 12. J'ai 72 petites boîtes à mettre des produits dedans et mettre le ruban et le numéro. Et après, il faut que je fasse encore un support. J'en ai fait deux déjà, je vous ai montré. Une troisième, je ne l'ai pas fait encore. Alors maintenant que j'ai reçu ça, j'ai envie de m'en servir. Hein, forcément. Alors, je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir. Donc, bah, de toute façon, quand j'aurai rangé tout ça dans ma trousse, hein, quand j'aurai rangé tout dans ma belle trousse que j'ai achetée l'autre fois pour en mettre 300, donc 180, il m'en restait 120 places pour mettre soit les feutres ou soit les autres brodes funères que j'ai. Peut-être que je vais mettre tous les brodes funères dans la même trousse. Ça serait mieux. Et puis ça... Eh ben, je les mettrai dans la trousse où j'ai les brodes funères pour l'instant. Je vais voir. Je vais étudier le problème. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est... Enfin, c'est pas mal. C'est pas tellement pratique, mais quand il n'y a rien dedans, on ne peut pas le fermer, par contre. Ouais, c'est... Il faut qu'il y ait quelque chose dedans pour pouvoir le fermer. Hein. Sinon... Voilà, quand on veut, on peut, mais c'est pas, il faut qu'il y ait quelque chose de là, sinon ça ferme. Bon,
Mais je vais quand même le garder parce que je vais mettre ça avec les envois qu'on fera plus tard avec Coco. Enfin, ça, c'est pas de mal à veille. Mais bon, je vais quand même les mettre avec. Ouais. Les mettre avec. Donc, je vais vous laisser. Ça sera un envoi, ça sera un emballage. Ça sera pas. Je ne vendrai pas une trousse comme ça, quand même. Mais je la mettrai pour des fois caler des produits. C'est pas plus mal, ouais. Donc, j'espère que le temps va s'améliorer parce que là, il fait froid quand même. Hein. Je vais vous faire un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais me mettre. Si je vais ranger d'abord tous mes crayons et après, je vais peut-être me mettre à faire un coloriage. Ouais, je pense. Donc, je vais vous laisser et puis je vais vous dire. Oh, oui, je sais pas. Vous savez, je suis pas chaud. Hein. Voilà, ça fait un peu mes mères, mais c'est pas grave. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous! Voilà, j'ai rangé mes crayons. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai rajouté tous les autres broadfeners que j'ai. Vous savez, Corinne, elle m'en avait acheté aussi pendant qu'elle était là en vacances. Elle m'en avait commandé sur Vinted qu'elle avait trouvé à l'eau. Et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai réussi à ranger tous les crayons. Alors, je vais vous montrer les 180 que je viens de vous montrer, les 120 que je m'étais acheté et ceux que Coco m'avait commandé sur Vinted. C'était en Italie, je crois, qu'elle les avait commandés. Je crois. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais vous baisser parce que ça me fait une sacrée collection et c'est quand même assez lourd. Hein. Enfin, c'est lourd, non, mais c'est quand même. Il y a quand même de quoi faire. Donc, je les ai mis comme ils étaient dans les boîtes parce que. Voilà. Vous avez ça. Vous avez ça. Je vais avoir de quoi faire. Hein. Alors, vous avez cela. C'est ce que je viens de vous montrer. Alors, ceux-là, c'est ceux que je vous ai montrés. Ceux-là, c'est ceux que Coco m'a acheté. Vous voyez, il y a un petit trait là. C'est des acryliques. C'est des acryliques, oui. Oui, c'est des acryliques. Non, oui, c'est des. Oh, je ne sais plus. C'est acrylique. Oui, si, si, c'est acrylique, ça. Métallique. Des métalliques. Ce n'est pas des acryliques, c'est des métalliques. Voilà. Je savais que j'étais en train de dire une bêtise. Les métalliques, avec le petit trait blanc, là, c'est des métalliques. Donc, j'ai tout ça. Alors, là, il faut que j'ouvre parce que... Attendez. Voilà, ça sera plus simple. Là, j'ai fini de mettre les métalliques ici. Et j'ai continué avec les couleurs chères. Vous savez que je vous ai montré les feutres acryliques. Et là, c'est les... Ici... C'est ceux que je m'étais acheté, c'est des broadfeners aussi. Donc, je les ai mis avec, comme ça. Et j'ai fini de mettre les couleurs peau ici. Ceux-là, je ne vais pas les mettre parce que je ne pourrais pas mettre les 24. Je n'ai pas de quoi en mettre. Je peux en mettre 3, 6, 9. Attendez, il y a 1. Non, si je retire celui-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Comme je les mets par deux, je peux en mettre que 14. Il y en a 10 que je pourrais pas mettre. Donc, je vais les mettre dans autre chose. Je vais sûrement les mettre... là, je ne les mettrai que un par un. Je pense que ça passe. Je vais regarder. Je vais regarder comme ça. Donc, voilà. Voilà tout ce que j'ai. Alors, je vais fermer. Alors, attendez. Parce que là, il faut que je m'y prenne bien pour fermer quand même. Hein. On prend son temps, pas s'énerver et on y arrive. Voilà, ça me fait une belle collection quand même de crayons. Hein. Comme ça, j'ai de quoi faire. Je vais fermer peut-être un petit peu par là aussi. Ça, il faut que je rentre. Voilà. Et voilà. Donc, ça me fait ma trousse. Vraiment, hein. J'ai de quoi faire. Donc, ceux-là, je vais voir si je peux les mettre là-dedans, les 24, là. Bon, par où je l'ai ouvert tout à l'heure. Ben aussi, je l'ai ouvert là.
Je pense que ceux-là vont rentrer. Oh, ils sont beaux ceux-là. Est-ce qu'ils vont rentrer dans mes trous? Ça, c'est autre chose. Alors, les trous, c'est fait pour des crayons, mais c'est peut-être pas fait pour les feutres. Quoi qu'ils sont pas trop épais, ceux-là, comme feutres, mais ça va être compliqué. Non, ça rentrera pas. Ça rentrera pas, je ne pense pas. Je vais essayer au milieu, peut-être, qu'en prenant dans le milieu. Non. Comment je pourrais faire pour l'ouvrir? Regardez ça, ça, c'est pas plus gros, ça. C'est pas plus petit, c'est pas plus gros. Comment je pourrais faire? Non, mais je vais pas forcer parce que... Ah, 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 ah. Non, ça va pas être... Hein, ça y est, si, si, ça rentre. Vous voyez? Faut de la patience, c'est tout. Comme je suis pas... Je vais les mettre 1 sur 2, comme ça, ça va... Si, c'est bon. Je vais mettre 1 sur 2. Je ne vais pas les coller trop. Comme j'ai de la place. Bon, bah écoutez, hein, je vais faire ça tranquillou, tranquillou. C'est pas l'idéal, mais une fois que l'élastique va se faire, en espérant qu'il ne pète pas, parce que s'il pète, je ne serai pas dans le caca. Hein. Hop, allez, tu rentres, Coco. Bon, bah écoutez, je vais faire ça toute seule. Hein, parce que sinon, vous allez en avoir marre de me voir triturer mes élastiques, là. Ah ben voilà. J'ai trouvé. On le soulève. Et je ne l'ai pas mis dans le bon sens, sous la main, tant pis. Je l'en mettrai après. Allez, Coco, tu rentres. Quand on veut, on peut, hein. Faut dire que... On se lève, on met comme ça et on rentre. Voilà. Pas de problème. On soulève. On triture un petit peu et on rentre. Bon, je les fais tous avec vous ou pas? Je suis bien partie là. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on peut les mettre aussi dans ces trousses-là. Mais bon, il faut trouver un système. Je ne peux pas les mettre... côte à côte, vraiment, là, je laisse un espace entre chaque, quand même. Voilà. Hop. On va faire de ce côté. Puis je suis têtue, moi, il faut que ça vienne tout de suite. Hein. Sinon, ça me... Hop. Le tout, c'est de prendre le coup, puis après, c'est bon. Hop, on soulève. On passe et on glisse. Hop. On fait autant ici. Moi, je ferais pas ça s'il y en avait 300. Hein. Là, il n'y en a que 24 à mettre comme ça, mais... Quoique, une fois que c'est mis. Hein. C'est un jeu de patience, et puis c'est tout. Voilà. Là, c'est mis, là, c'est mis, là, c'est mis. Et là, on va... Là, je vais pouvoir en mettre deux. Un. Deux. Voilà. Ici, je peux en mettre un. Et ici, je peux en mettre un. Voilà,
Comme ça, mes feutres sont rangés aussi. Hop. Ouais. Celui-là, je vais le mettre aussi, mais celui-là, il devrait rentrer. Et voilà. Comme ça, je ferme. Je sais que c'est les feutres acryliques. On a une collection de trousses. Hein. Voyez. Mais qu'est-ce que tu vas en faire des autres trousses? Ben, voilà. C'est tout trouvé. Hop. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, je vous laisse. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.